lisons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, nous commençons au verset 12 jusqu'au verset 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a le peu aigu à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël, pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'il se livrasse à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai, avec le peu de ma bouche. 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Alléluia. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît ni ce n'est celui qui le reçoit. Que les riches bénédictions de Dieu soient avec nous. Alors nous nous sommes rassemblés ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Son nom est la parole vivante de Dieu. Parce que c'est en lui que nous pouvons nous prétendre avoir la vie éternelle. En dehors de lui, c'est les ténèbres, la perdition éternelle. Parce que l'enfer éternel n'existe pas. L'enfer dépend de l'élément temps. L'enfer a été créé dans l'élément temps, mais pas dans l'éternité. C'est pourquoi ceux qui sont dans des distractions mondaines, dans ce qu'ils ont pris de par-ci, ils ont appris de par-ci par-là, ils croient qu'ils peuvent vivre éternellement dans l'enfer. Ils auront une vie, comme nous le voyons dans des films et des fictions. Détrompez-vous, sache que l'enfer a été créé dans l'élément temps et ça va disparaître comme tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu qui est la parole sainte. Christ Jésus manifesté au milieu de nous ce soir, ce n'est que elle qui pouvait rester pour toujours et éternellement. Vous vous souvenez, nous sommes toujours en train de parler sur notre enseignement, vous qui êtes de partout pour nous suivre. Nous sommes vraiment dans la joie quand nous nous retrouvons dans les lieux célestes en Christ, s'abandonner à lui, abandonnant nos cœurs, nos infirmités, nos fautes, nos horreurs, nos péchés, iniquités et transgressions dont nous n'avons confessé cela peut-être à personne. Mais quand nous venons ici, nous sommes derrière l'autel de Dieu, devant l'autel de Dieu. Et moi, je me tiens derrière l'autel de Dieu, ensemble avec les saints qui vient là au-delà, pour que nous puissions parler des choses célestes. Parce que cette parole est venue d'en haut. C'est pourquoi nous avons pris ce sujet, comme l'autre fois nous avons dit, quand nous sommes en train de marcher, nous savons là où nous nous avançons. Nous ne donnons pas de titres pour donner. À chaque fois que nous donnons des titres, nous savons là où nous venons. Ce que nous avons parlé récemment et de ce que nous parlons maintenant. Afin que l'Église, qui est l'épouse du Christ, quand nous parlons de cette Église-là, ce ne sont pas des assemblées.
C'est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, là où nous y sommes des membres. Et nous voulons à ce que tout ce qui se dise en lui-même qu'il est chrétien, il puisse savoir qu'il devait être un membre à part entière dans ce corps. Ce n'est pas dans des dénominations qui sont des credos qui ont commencé ici, comme nous sommes en train de parler de ça ici. Vous venez d'écouter ce que Jean le divin, le saint prophète de Dieu, dans l'île de Patmos, ce qu'il a vu dans la vision, et il nous a parlé de ce que le Seigneur parlait de gens, de chrétiens dans le temps, de cet âge, ou dans cette église de Pergame. Vous voyez, qui fut comme la troisième église, la troisième lettre que le Seigneur avait envoyée au travers de son prophète Jean à l'église de Pergame. Et nous avons vu que non, en parlant de Sissi, si vous vous souvenez, on a parlé l'autre fois de l'idolâtrie qui est entrée dans des églises. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons pris à parler de la chronologie biblique et de la marque de la bête. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas ces choses ici, qu'est-ce qui s'était passé autrefois, vous n'aurez pas le tableau clair de ce qui se passe maintenant. Et vous n'aurez pas vraiment la possibilité ou la capacité de prendre position en Christ. Vous serez là comme un format, juste un homme formaliste qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez? Comme une prostituée spirituel qui porte simplement le nom de Jésus. Alors, quand l'ange parle de la prostitution spirituelle ici, dans les livres d'Apocalypse, il fait allusion à ce qui se passe spirituellement à cause des églises qui ont formalisé la parole de Dieu, qui ont fait la compromis avec Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est à cause de cela que nous sommes venus ici. Nous nous prenons le temps d'écouter, de s'abandonner dans la prière, dans plusieurs dispositions dont le Seigneur nous accorde, afin que nous puissions ramener les gens dans ce corps-là, d'être des membres à part entière dans le corps mystique de Jésus-Christ, parce que lui, il est le surnaturel, il est spirituel. Et nous aussi, nous devons y être pour posséder son royaume, pour demeurer en lui et lui qui puisse demeurer en nous à tout autant que nous sommes dans ce corps. Et si on ne peut pas servir un maître dont on prétend qu'il est dans le ciel et toi tu es sur la terre, alors que lui-même il a donné la promesse, un peu de temps le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Ouais? Il a dit plus, pourquoi? Parce qu'il ne viendra plus avec ce corps de Galilée comme on vous enseigne. Tango Yesu akoya kamata bandimi. Kelewe kobeta. Et maintenant quand les gens ils ont compris que non, on a parlé de l'Apocalypse chapitre 10, que le septième ange, le septième œil a sonné de la trompette et Christ est descendu, ils ont changé cela. Ils ont commencé à chanter cela quand Yesu akoya okamata bandimi togobeta mindule. Vous comprenez donc, nous allons jouer de la musique. Donc cela veut dire, ils ont changé, c'est fait en sorte que non, cela veut dire les gens du jour au jour, ils changent. À cause de quoi? À cause de l'idolâtrie qui a commencé depuis Israël au temps d'Achab. Pourquoi? Parce que Achab s'est marié. Remarquez, nous avons parlé de cela quand nous avons dit que non, c'est vraiment profond. Dieu peut changer sur les situations actuelles, si vous vous souvenez de cet enseignement dont on parlait là-bas. Ouais. Et nous avons vu que non, Achab, avant de se marier, il y a Moïteya Kokako Balana, Namwasi Mopakano, vous comprenez? Qui? Jézabel. Avant que Yakoakobalana Jézabel, Akab, il fit un chrétien. Il fit là, suivant le pas de ce peuple. Mais comme il ne voulait pas rester sur les pas, vous comprenez? Il avait des pas, tantôt à l'extérieur, tantôt à l'intérieur, comme les chrétiens d'aujourd'hui. Et cela fait en sorte qu'il est allé s'est marié avec une femme étrangère, une femme qui était une païenne, qui adorait des dieux étrangers. Vous comprenez? Et puis, ils ont amené ce dieu en Israël et ils ont commencé à adorer ce dieu-là étranger dans la maison de l'Éternel.
Vous comprenez? Alors que quand les gens disent aujourd'hui dans les dénominations que Dieu est dans son église, Dieu est dans son église, c'est une fausse conception qui ont commencé ici avec la doctrine nicolaïte. Vous comprenez? Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans son église. Parce que si on parle bien dans son église, toutes les églises qui sont dans le monde ici, avec beaucoup de doctrines, de différentes doctrines, et tous ils se disent les églises de Dieu. Donc, il y a plusieurs églises. Donc ça veut dire Dieu est dans sa parole. L'église qui interprète correctement les saintes écritures selon la disposition du Saint-Esprit, la révélation de Jésus-Christ, c'est cette église, c'est celle-là qui peut être l'église de Christ parce qu'il a dit là où deux, trois sont réunis en mon nom. Voilà, réunir au nom du Seigneur, ce n'est pas citer les noms ou soit chanter Yesu Azaliawa. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas ça. Ouais. Mais quand vous vous réunissez en son nom, le pitre lit bien interprété de votre temps. Je dis bien, c'est à ce moment-là que Jésus vient. Mais s'il est mal interprété, il ne vient pas. Celui qui vient là-bas, c'est le diable. C'est pourquoi nous avons pris ces choses ici, pour que les gens puissent comprendre comment est-ce que cette marque de la bête se manifeste au Père et les gens en ont déjà ou dans l'église, premièrement, avant que vous puissiez voir ça sur ces gens-là, sur ces, le star de ce monde ici. Ouais. Et nous avons vu qu'Akab, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a pris cette femme païenne et il s'est marié avec elle, et c'est ce qui a fait en sorte que l'idolâtrie est entrée. Parce que l'idolâtrie, remarquez, l'Israël n'avait pas cette nature d'adorer des dieux, d'élever des hommes. Nous avons donné l'exemple. Là, à Babylone, quand le règne des gens des nations ont commencé, remarquez qu'est-ce qui s'est passé quand Daniel a interprété les songes du roi. Alors que ceux qui étaient avec Daniel savaient que celui-ci, c'est notre cher frère bien-aimé. Vous comprenez? À qui l'Éternel parle au travers de lui? À qui il reçoit la plénitude de l'Esprit dédié comme frère Branham? Vous comprenez? Dans ce temps à laquelle nous vivons, la mort ne représente rien pour nous parce que quand je dis ceci, les autres disent « Aïe, ah, ouf, il est mort. » Vous comprenez? Quand tu dis ça, sache que quand tu parles de la mort de cette façon-là, souvenez-vous, nous avons prêché la puissance et le pouvoir incontestable d'un chrétien. Quand nous avons parlé de cet enseignement, souvenez-vous des exemples que nous avons pris du prophète Élisée, du prophète Samuel, plusieurs exemples. Quelqu'un qui est mort il y a des années passées, mais il est revenu pour montrer que non, la mort pour un chrétien, c'est juste une porte. Nous allons parler de cela quand nous allons parler de l'enlèvement avec beaucoup de précision. Cher bien-aimé, il était là, l'ère Daniel, si vous comprenez, un saint prophète de Dieu qui parlait avec l'ange Gabriel face à face, comme ça. Vous voyez l'ange Gabriel, qui est un visiteur qui venait du ciel, qui lui parlait parce que la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Ouais. Il avait l'ainsi dit l'Éternel. Et c'est ce qui a fait en sorte que non, quand eux, ils les ont dit que non, si vous n'adorez pas ces statues ici de Daniel que nous avons vues ici, vous allez entrer là-bas, être brûlé dans la fournaise ardente, chauffée sept fois. Mais ils ont dit, nous y entrerons, qu'il en soit, qu'il en coûte le prix. Donc, au quota, s'il faut tout tomber, parce que nous ne pouvons pas faire la compromis avec la parole. Nous ne pouvons pas faire en sorte que mal interpréter cette écriture. Sur base de quoi? Sur base juste d'un acte, d'un signe, d'un statut. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont souvent aveuglés par des miracles, par des guérisons, par des histoires de bénédictions, de tremblements qui amènent des sensations charnelles, par des parlers en langue, des prophéties et toutes ces choses-là. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. Nous sommes dans une étape ou soit dans une dispensation ou dans un âge à laquelle que le pouce devait prendre ça. Il devait s'apprendre en charge. Il devait être un chrétien, devait être capable avec des capacités
supérieur, élevé. Pourquoi? Parce que la pierre angulaire, la pierre fessière, Christ, il est descendu. Nous avons parlé de ça récemment ici. Si vous vous souvenez, ouais. Donc, l'avènement du Christ. Nous avons parlé de ça ici, quand nous avons parlé que non, l'agneau a quitté le trou. Quand Jean plairait qu'il n'y avait personne qui était digne de prendre les livres. Mais l'an de 24, il a dit, voici les lions de la tribu des chiens, notre parent rédempteur. Mais quand il a pris les livres, nous avons lu dans Apocalypse 10, c'est là où nous nous sommes arrêtés pour prendre cet enseignement de parler de l'Antichrist, de la chronologie biblique, de la marque et de la bête, enfin que nous puissions retourner encore là-bas pour parler quand il était descendu, qu'est-ce qui s'était passé. Ouais. Mais quand il est descendu dans l'Apocalypse 10, lui, l'ange puissant, le juge suprême, le lion de la tribu des Juda, notre parent rédempteur, l'Amen, le témoin fidèle, lui, l'époux, qui est descendu pour identifier son épouse qui était sur la terre, qui lui identifiait sans compromis ni rien de semblable. Dans ce temps ici, lui il est descendu, vous vivez toujours là comme une brebis qui veulent toujours qu'on puisse lui amener à manger. Qu'on puisse toujours lui montrer où marcher. Même celui qui vous montre où il marchait, s'il ne se fatigue pas, alors cela veut dire qu'il est un homme cupide. Il est un serviteur de Hébreux chapitre 6. Vous comprenez? Il est un méchant, cet homme-là. Parce que le rôle des Éphésiens 4, c'est d'amener les gens à la perfection. Pourquoi? Parce que lui, la pierre fessière, lui, Christ, la tête de l'Église, il est descendu. C'est vous amener là-bas. Comme Frère Branham nous a présenté, voici l'époux aller à sa rencontre. Vous comprenez? Voilà, parce qu'il a fait tout. Donc, cela veut dire qu'il a accompli tout ce qui a été prévu qu'il puisse être accompli dans ces temps ici, avant son retour à la maison. Vous voyez? Parlons de ce qui s'était passé afin que nous puissions comprendre là où l'idolâtrie a commencé et c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce qui a mené la marque de la bête. Ouais. Donc, quand Achab s'est marié avec qui? Si c'était une femme israélite, une fille de Dieu, il n'allait pas adorer d'autres dieux. Mais c'était avec des gens des nations comme nous avons donné l'exemple avec l'Israël et avec le règne des gens des nations qui ont commencé avec Babylone. Ouais. Toujours avec l'Église. Pourquoi? Parce que nous, les gens des nations, Christ a voulu à ce que nous puissions être une épouse à Christ, une chère épouse. Mais le diable, il a vu ça en avance. C'est pourquoi il a commencé avec l'épouse d'Adam, l'Église qui était Ève au jardin d'Éden. C'est pourquoi nous avons commencé là-bas avec la semence du serpent. C'est là où le compromis a commencé enfin d'égarer l'Église qui était Ève. Mais Christ est descendu, il a payé le prix, il a racheté Adam et Ève, l'Église qui était tombée. Il est venu par une Église pure pour montrer l'image de l'Église à laquelle que lui va descendre tant du soir, autant de la fin pour demeurer. Mais le diable n'a pas laissé. Il a suscité ces polymorphes et tous ces gens-là dans des églises, des hypocrites ainsi de suite, ces gens-là qui sont là-bas, comme David dit, donc dans Psaume 80, je pense, si je n'oublie pas, que non, dans tous les lieux saints sont remplis de repères, des brigands et des oiseaux impurs. Est-ce que vous comprenez? Mais qui vient toujours avec un bon langage, bien habillé, cravaté, avec des fronts col tournés en arrière. Vous voyez? Donc, ils se prétendent des révérends, et ainsi de suite, mais ils sont des moqueurs. Ouais. Ils sont des gens qui viennent de la semence du serpent, de mensongeux. Toutes ces histoires, nous allons parler de cela. Avançons. Et nous avons vu que quand ces reines des nations ont commencé avec Babylone là-bas, ils ont élevé Daniel, alors que Daniel a accompli l'ainsi dit l'Éternel, ce que l'Éternel lui avait montré. Pourquoi? Parce que l'amour était là. Il fallait qu'il puisse identifier le Dieu qui était dans eux. Et si vous comprenez, pour montrer qui, celui à qui est il servait. Voilà.
Ils n'ont pas voulu faire ce qu'ils ont voulu qu'ils puissent faire. Mais leur Dieu était là-bas, ils étaient incapables pour l'interpréter parce que les seuls qui interprètent des songes et des visions, c'est l'Éternel, Dieu créateur, toujours au travers de son serviteur, le prophète. Dieu parle toujours à un homme dans un temps, dans un âge. Dieu ne peut pas parler à tous les hommes, c'est ce qui a égaré les gens aujourd'hui. Et nous avons lu ici ensemble, comme le Seigneur donnait l'exemple de Balaam, la doctrine de Balaam. Vous comprenez que non, je sais que tu témoignes mon nom, là où il y a le trône de Satan. L'enfer est sur la terre, comme nous avons chanté, le ciel est sur la terre aussi, là où l'insigne de l'Éternel est bien interprété, le ciel est là. Parce qu'il a dit, deux, trois sont réunis en mon nom, je suis là. Comme nous venons de dire ici. Ouais, l'épître est bien interprété, mais c'est mal interprété, l'enfer est là. Le Seigneur vient de dire ici, vous citez mon nom là où il y a le trône de Satan, parce qu'il a mis son trône où? Dans l'église, comme il a commencé dans les jardins d'Éden. Vous comprenez cela? Dans des églises formalistes. Et c'est ce qui a fait en sorte que nous avons compris que le Seigneur leur reprochait ici, dans cet âge ici, dans ce temps ici, dans l'âge de Pergame, si nous pouvons dire, dans cette église de Pergame, si vous voulez bien. Et nous avons vu que cet compromis, dont Balaam et Balak, ils ont fait pour mettre une pierre d'achoppement aux enfants d'Israël, afin qu'ils puissent manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ouais, afin qu'ils puissent faire quoi? Tomber à l'impudicité et toutes ces choses-là qui ont suscité la colère de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu vivant. Ouais. Et nous avons vu que l'Éternel, il a parlé de cela, que vous vous attachez à la doctrine des Nicolaïtes, en donnant l'exemple de Balak et de Balaam, de ce qui s'était passé. Voilà l'impudicité des gens des nations là où cela a commencé. Comme des exemples que nous avons donnés ici, comme Achab a dévié sur la route, Abima, qui n'a dit là pour nous dire, moi si mon Pakan, moi si mon Baya, qui n'avait pas, c'est ça, du genre des églises prostituées dont nous sommes en train de parler ici. Avançons. Et nous avons vu que, nous avons parlé de ça récemment ici le dimanche passé, si vous vous souvenez, comment est-ce que cette doctrine a commencé. Nous avons donné la chronologie des églises, des gens, des nations. Comment est-ce que, parce que Christ, quand il a quitté l'Israël, c'était quand ils ont renié Christ à la croix. Mais les règnes des gens des nations ont commencé déjà quand ils ont siégé Jérusalem et ils les ont pris parce qu'ils n'ont pas écouté l'insigne de l'Éternel dont le prophète Jérémie leur disait. Et tous ils se retrouvaient en Babylone comme le monde, les églises d'alors qui n'ont pas l'insigne de l'Éternel se retrouvent dans Babylone la grande dans ce moment ici comme nous allons lire ça en terminant ici. Ouais. Les hommes se retrouvent là. Et c'est de la Babylone et la Grande, c'est ici où les gens reçoivent la marque de la bête. Pourquoi? Parce que les gens des nations, ils ont toujours cette habitude de quoi? D'adorer les humains, d'élever les humains en adorant sans pour autant tenir compte que vous avez déjà pris cet homme-là comme votre modèle, au lieu de prendre Christ votre modèle. Comment vous pouvez vous poser la question? Comment est-ce qu'on pouvait prendre Christ dont on ne voit pas? Mais quand l'homme vient avec l'insigne de l'Éternel, quand il vous parle des choses qui est bien interprétées, mais c'est lui qui identifie Christ, comme William Branham, comme Paul, ouais, comme d'autres apôtres autrefois, apôtre Pierre, ainsi de suite. Même on peut citer d'autres apôtres dont nous connaissons là au Congo, ainsi de suite, qui ont identifié Jésus-Christ. Je vis ça quand l'apôtre Manda manifestait des miracles et des prodiges, beaucoup de choses. Les gens lui ont élevé. J'ai chanté même un petit, une chanson qu'on chantait à l'église d'Engaba quand on était des petits enfants. Vous voyez? Donc, ils ont chanté une chanson là. On a élevé complètement. Je rappelais à ma sœur, j'ai dit, souviens-toi, cette chanson, c'est déjà une adoration qu'on élevait l'apôtre Manda. Vous voyez? L'apôtre Manda nous chantait, me parlait ici, dont on a donné le nom de Manda Chante. Son père fit évangéliste là-bas. Ouais. Si vous pouvez lui poser la question, il vous dira.
Ouais. Nous connaissons bien l'histoire de l'Église. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est Frère Branham qui a imposé les mains à Tommy Osborne. Et Tommy Osborne venait au Congo, imposa Eddie Nabal à Eddie Nabal et apporte un mandat à l'autre. Et c'est ce que nous avons comme un réveil au Congo avec les églises pentecôtistes, ainsi de suite. Nous avons remarqué ici quand le règne des nations a commencé à Babylone, et c'est ce qui a mené jusqu'à temps que quand Christ est venu, et ils ont renié Christ. Pourquoi? Parce que Dieu les a aveuglés. Nous devons être humbles. L'apôtre Paul nous le dit dans Romains chapitre 11, ce qui s'était passé comme le prophète Zacharie l'avait déjà dit là-bas. Frappe les bergers, que les brebis puissent se disperser. Après, ici, nous allons parler de l'Israël. Qu'est-ce qui s'était passé? Comment est-ce qu'ils se sont éparpillés partout dans le monde? Et quand est-ce que l'Israël est revenu chez eux? Et comment est-ce que Dieu a cessé de traiter avec les gens des nations? Nous, l'épouse était prise en l'enlèvement et les autres passent par la tribulation. Et pendant tout ce temps ici, Dieu est en train de traiter avec l'Israël et ils reconnurent Christ par leurs prophètes Moïse et Élie. Et après, dans Apocalypse chapitre 19, c'est à ce moment-là, l'église qui était partie en l'enlèvement, l'épouse parole, la semence originale, ce sont eux qui vont revenir ensemble avec Christ encore ici sur la terre, fêter les 1000 ans des noces de l'agneau. Vous comprenez? Et après ces 1000 ans-là, c'est à ce moment-là que ce qui est écrit dans les livres de l'Apocalypse chapitre 20, en montant jusque là-bas, que ça va s'accomplir. Vous voyez? Et nous avons vu que non, ici, Constantin, comme nous avons dit ici, qu'il avait 3 enfants, et ces 3 enfants qui se sont allés dans l'Orient et l'Europe, par l'Occident, et ainsi de suite, et c'est à eux que nous avons eu cet empire romain. Et cet empire romain qui a commencé, c'est cet empire qui a plus de la puissance, du pouvoir et de la prééminence depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui, bien qu'on ne change que de nom, on ne change que de forme. Pourquoi? Parce que nous avons compris que non, lui, quand il était là-bas, il était à Jérusalem. Avant que Christ puisse venir, c'était à l'an 306, quand lui, il était là-bas. Et je vous ai dit qu'il a bâti un temple, soit une église, Sainte Sophie. Quand il a dit aux chrétiens que non, si vous priez pour moi, j'aille à la bataille, si je veux vaincre la bataille, quand je vais revenir, je vous promets que je deviendrai chrétien. Et cela a été fait comme les églises le font aujourd'hui. Je ne sais pas, ouais, la manière de se prendre. D'aller au ciel. Ouais. Et nous avons vu que non, quand il est revenu, il a accompli aussi ce qu'il avait dit. Ouais. Mais peu après, quand Christ est venu, ouais, donc, quand Christ était parti, nous avons vu que non, il y avait le cercle des apôtres, qui est le premier cercle, qui était de Pierre, lui qui était le chef en groupe. Ouais. Et nous avons vu qu'il y avait le deuxième cercle. Deuxième, troisième cercle, quatrième, entre troisième et quatrième cercle, il y avait un apôtre qui était aussi puissant qu'on appelait Nicolas, comme on dit en anglais, Nicolas. Ouais. Et Nicolas, c'est lui qui avait commencé à faire la compromis avec la parole. C'est pourquoi nous venons de lire ici la doctrine des Nicolaïtes. C'est celui-ci fit un apôtre de Jésus-Christ. Ouais. Et c'est à ce moment ils ont réuni tous les grands apôtres et tous ceux qui se nommaient grands, comme beaucoup de grands dont nous avons aujourd'hui dans le monde. Ils ont dit que nous allons commencer à faire en sorte que nous puissions prendre la prééminence de tout ce qui est comme dénomination sous soleil. Et nous allons imposer une doctrine à laquelle que tous les gens vont suivre. Et par ces gens-là, ils ont fait en sorte que non, ils ont imposé le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Cela a commencé là-bas. Mais auparavant, ce n'était pas le cas. On baptisait non selon la commission dont le Seigneur avait donné dans Matthieu 28, verset 19, si je n'oublie pas. Ouais. Mais ça, c'était la commission dont l'Éternel avait donné. Parce que le Seigneur Jésus, avant d'aller, il devait leur laisser la communion. Parce que nous avons le droit témoignage dans les ciels
le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le même Dieu manifesté dans trois dispensations. Vous comprenez? Et ce témoignage est sur la terre, comme nous avons le témoignage de l'eau, le sang et, si je n'oublie pas, l'Esprit. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que nous, ils ont imposé d'abord la façon de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit pour contredire ce qu'est le Saint-Esprit Christ. Jésus, quand il est descendu, selon la promesse qu'il a dit un peu de temps, de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Si vous lisez là-bas, c'est toujours l'article défini, les dons. Au nom. Ouais, avec précision, pas par les noms, au pluriel, plusieurs noms. Et ce ne sont pas des noms. Père, ce n'est pas un nom propre. Père, c'est un nom commun. Fils, c'est un nom commun, ce n'est pas un nom propre. Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez donc? Et ils ont commencé à introduire ces doctrines-là dans l'Église. C'était à ce moment-là, la doctrine nicolaïte a commencé avec ça. Baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'était vers ces années-là, l'an 606. Voilà. Et ils ont imposé quoi? Nous allons imposer une prière par laquelle que tout le monde devait prier par cette prière. C'est ce que j'ai dit aux gens aujourd'hui. Comme nous voyons, les gens distribuent la prière de Kangoka qui vient de Côte d'Ivoire. Ce sont des bien-aimés. Oui. Nous tous, nous témoignons le nom du Seigneur Jésus-Christ, comme nous disons ici, il y a des groupes qui sont en Côte d'Ivoire, il y a des groupes, je vous remercie infiniment, vous les administrateurs, qui approuvent nos publications, nos enseignements, nous ne sommes que des instruments comme vous. Il y a d'autres qui nous rejettent. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit quand il avait envoyé ses disciples? Il leur avait dit, là où on vous reçoit, entrez, priez, mangez, faites ce que vous pouvez faire pour la gloire du Seigneur. Là où on vous rejette, vous pouvez la robe ma colonne. Ça veut dire simplement lécher simplement vos pieds et puis partez. Ouais, laissez-les. Je vous dis que non, parce que c'est lui le juste juge. Il sera que non, le péché de Sodome et Gomorre seront jugés moins que ces gens qui vous ont rejeté. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous ne pouvons juger personne. Nous ne pouvons qu'aimer. C'est ce que le Seigneur nous a dit. C'est pourquoi nous aimons même nos ennemis. Voilà. Parce que ce que nous faisons ici, ce n'est pas chercher un gain sordide ou soit une gloire personnelle comme les gens le font aujourd'hui pour avoir un grand renommé. Non. Nous voulons que les gens puissent retrouver l'air de position qui ne tient pas compte. Quoi? Membre effectif, membre à part entière dans le corps mystique de Jésus-Christ. Voilà. Et nous avons vu que non, après cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que eux, les Romains, ils élevaient, voilà. Puis Romains, ils élevaient Jupiter et Mercure, qu'ils étaient comme leur roi, leur dieu qu'ils adoraient, le dieu statue. Vous comprenez? On parle toujours des gens des nations, des païens, pas des juifs. Ouais. Pas avec cette église orthodoxe. Donc nous y sommes des fruits parce que Malachie 4, son rôle, quand il est venu, il nous a dit, lui, Élie de Malachie 4, H-A-M, il nous a dit que non, il est là pour prendre la foi, le cœur de Père vers nous, et prendre ce qui est à nous, le faire retourner. C'est Christ, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est ce que nous vous enseignons ici, c'est ça notre doctrine. Nous n'avons pas d'autre doctrine. Vous comprenez? C'est ça la doctrine d'Élie de Malachie 4. Voilà. C'est un prophète qui est venu avec ses messages. Voilà. Et nous avons compris que ils ont fait quoi? Ils ont levé Pierre à la place de Jupiter et à la place de Mercure, qui était comme leur dieu, c'était Marie. Vous comprenez? Donc, ils ont élevé Marie à cette place ici de l'autre côté. C'est Pierre. Ils ont dit qu'il est Pierre comme le premier pape. Oui, ce n'est pas mal d'enlever Pierre comme premier pape. Pourquoi? Parce qu'il fut le chef en groupe de tous les saints qui étaient là-bas depuis Christ. Le Seigneur lui a dit, il disait toujours, Pierre,
Oui, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, tu sais toutes les choses, tu connais que je t'aime. Quand tu seras converti, affermi tes frères. Vous comprenez? Mais Pierre avait déjà fait des miracles, donc vous, vous faites. Il avait prêché la parole comme toi, tu les prêches, bien-aimé. Toi qui dis que non, tu prêches les sceaux sans pour autant tenir compte de celui à qui les sceaux ont été révélés. C'était un prophète. Toi, tu ne peux pas recevoir la révélation de cet sceau sans pour autant recevoir ça ici. C'est le socle des âmes. Comme le Seigneur nous dit ici, dans l'église de Pergame, je lui donnerai un caillou blanc. Et celui qui lira ce qui est écrit là-bas, ce n'est que la personne qui l'a reçu. Je ne sais pas si les gens des églises lisent bien les écritures. Les Méli-Mélo qui ont commencé ici, voilà, et qui a amené quoi? La marque de la bête. Où? Dans les mondes, dans des bars, dans des concerts des stars de ce monde? Non. Dans l'église, parce qu'il a commencé dans l'église, ou dans les jardins d'Éden, là où il y avait l'incidie, l'éternel. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous parlons de la marche, afin que les gens puissent comprendre comment est-ce que l'idolâtrie dont vous ne tenez pas compte, que vous adorez les gens déjà, vous êtes déjà tombé et égaré de la volonté parfaite de Dieu. Ça a commencé là-bas, et nous avons vu ça avec la femme Jézabel. Comment est-ce que l'idolâtrie est entrée en Israël et Élie, le prophète, est venu, il a frappé. Avec quoi? Avec l'incendie de l'Éternel. 3 ans et 6 mois, la pluie ne tombera pas sur la face du sol, sinon à ma parole. Et dis-toi maintenant que non, il n'est pas un Dieu. Un prophète de Dieu, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. Un fils de Dieu qui marche selon l'incendie de l'Éternel, il est Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. La simplicité, c'est ce corps ici, né d'une femme, né dans les péchés, conçu dans l'iniquité. Ouais. Et nous avons vu que nous, après cela, quand les règnes des nations ont commencé à Babylone, excusez-moi que je puisse répéter ça, afin que nous puissions comprendre mieux. Ouais. Quand le règne des gens des nations ont commencé à Babylone, et nous avons vu que quand Daniel et les autres étaient, ils ont élevé Daniel. Pourquoi? Il a interprété les songes. Il les a épargnés de la mort, que le décret loyal Nabucodonosor, ceux qui étaient régnés là-bas, et l'autre qui était son fils, Nabucodonosor et Belshazzar. Vous comprenez, le deux rois de Babylone qui régnaient dans ces temps-là. Et ces gens-là qui étaient des dieux, qui se disaient que non, c'était des Banganganzambe, qui pratiquaient toutes ces choses, même la divinité et toutes ces choses-là. Mais ils étaient nuls. Pourquoi? Ils invoquaient des morts et toutes ces choses, ils faisaient des miracles. Mais quand ils étaient question d'interpréter la parole, ils étaient incapables. Pourquoi j'ai dit d'interpréter la parole? Parce que les songes du roi, c'était la préfiguration de ce qui allait s'accomplir dans ces temps ici. Parce que la statue dont le roi avait vu là, qui était composée de plusieurs différentes matières, de l'or, de l'argent, du fer et de quoi? De l'argile. Tout ça, c'était quoi? C'était des royaumes de forces qui composaient ces statues-là, cette image-là de la bête qui se montrait au travers comme un homme, comme un être. Vous comprenez? Et la tête, c'était Babylone de ce temps-là, avec Nabucodonosor et Belshazzar, vous comprenez? Les gens des nations, et l'adoration a pris place, ils ont voulu, ils ont élevé Daniel, et ils adoraient des hommes, comme d'habitude, avant même qu'ils puissent prendre possession des enfants de Dieu, comme leurs esclaves. Et nous avons vu qu'après la tête qui était Babylone la grande, avec Belshazzar et Nabucodonosor, nous avons vu que deuxième partie, c'était Perse, le royaume de Perse, qui était Grèce, avec Alexandre le Grand. Et nous avons vu, troisième partie, c'était l'Empire romain, qui ont pris possession. Et en cela, quand nous avons vu que non, Constantin, il ne tient plus, et cela a pris naissance avec quoi? Ceux qui servaient les seigneurs
troisième, vers quatrième cercle des apôtres, Nicolas, il s'est levé. Et ils se sont réunis. Ils ont vu que donc, nous devons faire des choses maintenant de cette façon ici. Ils se sont réunis avec l'État, avec le gouvernement. C'est ce que le diable fait toujours. Vous comprenez? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? Dieu a dit, nous mangerons de tous les fruits du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'Éternel a dit, vous ne mangerez mais vous ne toucherez pas. Quant au fruit qui est au milieu de l'arbre qui est au milieu du jardin. Vous comprenez? Le fruit de l'arbre. Donc, ce fruit qui est au milieu de cet arbre-là, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas. De peur que vous ne mouriez. Il a dit, non. Vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez. Quand, voilà les connaîtrez. C'est ça qui a mené une naissance à une doctrine. Et c'est cette doctrine ici que le Seigneur dit ici. Si vous n'avez pas vaincu cette doctrine ici, vous n'aurez pas les cailloux blancs. Vous comprenez? Et vous ne le verrez même pas. Pour recevoir ces cailloux blancs, vous devez vaincre cette doctrine ici dont sa tête a pris forme aujourd'hui. Ou dans des églises, dans des hommes et des femmes. Vous comprenez? Voilà. Et nous avons vu que non, après avoir pris Pierre comme, ils les ont mis là comme le premier apôtre et le premier pape, si l'on dit, alors que nous voyons tous que non, le pape ne se marie pas, ils n'ont pas des enfants, ainsi de suite. Mais vous vous souvenez, le Seigneur, l'autre jour, il est allé prier pour la belle-mère de Pierre, parce qu'elle avait eu de la fièvre. Vous vous souvenez? Donc cela veut dire que non, dire, faire de Pierre comme le premier pape, dans le sens dont l'Église a commencé au Pentecôte, je suis tout à fait d'accord. Mais dire dans le sens vrai que non, il est le premier pape. Faire de Pierre le pape, oui. Mais il est le premier pape selon l'Église catholique. L'Église universelle, ça c'est faux. Parce que le pape ne se marie pas. Mais nous avons vu que le Seigneur est allé prier Jésus lui-même pour la belle-mère de Pierre. Donc ça veut dire, Pierre, donc ça veut dire, ce sont quelque chose qui est né avec cette doctrine nicolaïque. Je sais que les gens qui se tiennent là-bas, ils disent que non, je me tiens. Non, je ne parle pas simplement de l'Église catholique, mais je parle de là où ces choses qui ont pris possession dans toutes les églises ont commencé ici. Vous comprenez? Et ils ont pris des prières comme de prier pour Marie, ainsi de suite, de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, et ils ont essayé de déformer la prière de notre Père, mais ils n'ont pas pu parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'avait établi et on a laissé ça comme ça. Vous comprenez? Et cela a commencé à prendre possession partout dans le monde. Remarquez même quand l'Église était dans des âges sombres là-bas parce que ces gens-là, ils étaient là-bas, ils refusaient de recevoir cette doctrine-là et on l'a tué, comme nous avons dit ici, on détruisait, tué par de bêtes et ainsi de suite dans des bichets. Mais c'était la volonté du Seigneur parce qu'il fallait qu'une vie tombe afin que la résurrection de cette vie-là puisse nous ramener, nous, à la vie. Pour qu'on était tous aveuglés et égarés, dépourvus de Dieu. Nous qui allions venir après, comme David le dit dans Psaume 22. Vous comprenez? Alors, nous avons vu que non, c'est là. Même quand Luther était venu, lui, il baptisait aussi au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Cela est venu même vers John Wesley, avec l'église méthodiste. Il baptisait toujours au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Les pentecôtistes, les réveils pentecôtistes, c'est quand cela a commencé, c'était la même chose. Mais quand Frère Branham est venu, avec le message de l'air, c'est à ce moment-là qu'il n'a pas voulu que les gens puissent être baptisés au nom du Père, Fils Saint-Esprit. Il a dit même aux gens, si vous me montrez une écriture de la Bible qui témoigne cela,
que non, les gens ont été baptisés dans la Bible au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, je quitte la chair. Vous comprenez? Remarquez les apôtres à chaque fois qu'on amenait les gens vers eux. Si vous vous souvenez dans Actes, dans les livres des Actes du Saint-Esprit, les Actes des apôtres, le couple d'Aquila, c'est Priscille. Le nom là, j'aime ça beaucoup. D'abord, il y a beaucoup de gens dont nous avons des connaissances qui ont ce nom-là, des filles et des sœurs. Ce couple-là, ils sont venus vers l'apôtre Paul et on leur a posé la question, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit? Parce que c'était à ce moment-là que les gens recevaient le Saint-Esprit par l'imposition des mains, ainsi de suite. Ouais. Et nous avons compris que non, et quand ils étaient là avec l'apôtre Paul, on leur a posé la question, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alors que ils étaient là témoignant Christ, faisant les œuvres de Christ. L'apôtre Paul leur a posé la question, de quel baptême que vous étiez baptisé? Non, on nous a baptisé baptême indigent. vous comprenez? Ouais. Et l'apôtre Paul leur a dit quoi? Non, ce n'est pas la manière dont nous nous baptisons. Ils les ont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et ils ont reçu le Saint-Esprit. Le couple d'Aquila, c'est possible. Vous comprenez cela? Et nous avons vu que non, les apôtres, à chaque fois que les gens venaient, s'ils disent qu'on les a baptisés au nom du Père, on les rebaptisait au nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est ce qui a fait en sorte que dans l'âge pentecôtiste, et aussi baptisé dans les réveils pentecôtistes, quand cela a commencé en Occident, aux États-Unis d'Amérique, parce que toutes les doctrines qui sont ici ont commencé là-bas. Pourquoi? Parce que tout, même le diable ne fait que suivre ce que Dieu dit. Christ, Luc 17, Seigneur, parle-nous de l'avènement du Fils de l'homme. Elle dit, comme vous verrez, l'éclair quitte l'Orient et se montre vers l'Occident. L'Orient, c'est vers là où Seigneur Jésus était. L'Occident, c'est vers l'Europe et les États-Unis. Vous comprenez? Nous avons parlé de cela déjà. C'est là où ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme dans sa venue. Ouais. Merci. Et cela s'est avancé jusqu'à tel point que tu es au coma, comprendre, l'élo. Et cela a pris possession partout. La prééminence et la domination dans toutes les églises. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont voulu faire des choses à cette manière-là. Ou avec la doctrine nicolaïte qui ont commencé ici de construire les églises pour Dieu au lieu de construire des hommes pour Dieu. Alors que le rôle des Éphésiens 4, que eux ils étaient, c'était d'amener les gens à la perfection. Mais eux, ils amènent les gens vers eux. Voyez cette doctrine de nicolaïte dont le Seigneur n'aime pas, ce qui suscite la colère de l'Éternel. Et le jugement de l'Éternel frappe la terre, c'est à cause de ça. Pourquoi? C'est là à commencer ici, les gens, ils ont commencé à construire des grands temples. Vous comprenez? Des grandes églises, des grands édifices. C'est ici que Dieu va habiter. Alors que l'Éternel avait dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Le temple à laquelle que le Seigneur veut qu'on puisse construire pour lui, qu'il puisse habiter, c'est quand l'homme passe de la foi à l'amour fraternel. Vous comprenez? Donc, il passe ces sept étapes pour arriver à la perfection qui est Christ et qui est descendu, lui, la pierre fessière, pour demeurer en toi, pour demeurer en nous, pour demeurer en vous, comme il a donné la promesse de Jean 14, un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Pourquoi? Parce que ils ne m'ont pas reconnu quand je suis venu. Quand je vais revenir, ils ne me reconnaîtront pas parce que je ne viendrai plus avec ce corps. Je viendrai avec le corps épouse, le corps de mon septième étoile, de mon septième ange. Dans le dernier chandelier du septième âge, le dernier de tous les âges. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et c'est ce qui a fait en sorte que nous, aujourd'hui, dans le temps à laquelle que nous vivons,
pour essayer un peu de limiter le temps, de vous donner le temps d'aller bien assimiler le matière. Et puis, nous allons terminer ça le dimanche prochain en parlant d'Apocalypse chapitre 17. Calmement, juste quelque chose de 20 minutes et nous allons terminer cela. Et en précisant Apocalypse chapitre 16, 15, 14, 13, 12, selon la disposition dont le Seigneur nous donnera ce dimanche prochain, vous allez voir comment est-ce que cette marque est frappée dans les églises, pourquoi les églises, ils ont suivi ces modèles ici qui ont commencé avec la doctrine nicolaïte ici. Ne dites pas que non, nous sommes différents de l'église universelle qui est l'église catholique, qui est ce qui a commencé ici avec l'Empire romain. Et c'est cet empire qui a la prééminence, comme les bêtes dont nous avons vu dans le songe de Daniel, dans chapitre 7 de Daniel. Ces mêmes songes-là dont nous avons vu là-bas, nous avons lu ça d'Apocalypse chapitre 14, ici encore, 14 en commençant au verset 9. Vous allez voir que non, ces quatre bêtes puissantes que le prophète avait vues dans son songe, là-bas, dans la vision, c'est le même que Jean le divin, dans la vision du Patmos, avait vu aussi, qui représente des grandes nations. Mais toutes ces grandes nations, ils ont pris leur pouvoir, leur autorité, leur prééminence. Est-ce que vous comprenez? Ils ont donné ça à la bête, qui est cette grande empire qui ont commencé depuis de l'an 306 jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est la bête là, en commençant Apocalypse chapitre 13, verset 1. Ouais, qui représente le dragon lui-même, qui a pris la prééminence et la place du Christ. Et pourquoi? Quand nous avons commencé ici, nous avons parlé de l'Antichrist. Mais l'Antichrist, la chronologie biblique, est la marque de la bête. Ouais. Donc, il ne pouvait pas prendre possession, sinon pas mal interpréter les Écritures comme il avait commencé au Jardin d'Éden. Comme Apocalypse chapitre 12 nous le dit. Vous comprenez? Qu'est-ce que cela dit? Quand ils ont vu que non, il est descendu avec colère pour suivre que la quoi? La semence de la femme. Ceux qui ont été nés du Christ, qui témoignent Christ. Ouais. Là où le Seigneur parle, dans Apocalypse chapitre 2, ici, que nous venons de lire ici, dans l'église de Pergame, dans l'âge de Pergame. Que non, là où mon témoin fidèle Antipas était mort. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. C'est ici. Voilà. Que les gens ne tiennent pas compte qu'ils vont recevoir cette marque sur leur front ou sur leur main. Ouais. Pourquoi dans le front? C'est la connaissance. Dans le front. Une connaissance erronée. Une connaissance compromise. Une connaissance qui est faite des mains d'hommes. Les églises construisent, qui ont suivi ces modèles ici. Ici, moi, je ne condamne pas les églises, ni l'église catholique. Qui suis-je pour condamner, juger, parler mal d'elle? Aucune église. Mais ce que nous parlons ici, c'est ce système-là que les Écritures condamne Christ lui-même. Moi, je ne suis qu'un instrument dont lui, il utilise pour parler. Oui, parce que je ne peux pas faire la compromis là où lui, il a dit que ce bleu, moi, je peux dire non, c'est noir. Non. Quand lui, il a dit ce blanc, ça reste blanc, même si je peux voir ça, c'est rouge. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ici que les gens, ils ont suivi ce qui a commencé avec la doctrine nicolaïte, en construisant, en s'élevant, et les gens les suivent de la manière que les reines des nations ont commencé avec l'idolâtrie des hommes. C'est des signes, des statues qui sont des églises construites comme on avait fait la statue de Daniel et les prophètes. Pourquoi? Parce qu'il avait interprété les songes de ce qui allait venir. Or, c'était la préfiguration de ce que le Seigneur allait détruire, de ce qui a fait la force mondaine avec tous ces quatre bêtes dont nous avons vu ici, qui sont des grandes nations qui sont sous cela ici, qui ont la prééminence et l'autorité
de tout le pays du monde entier. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la compromis avec le gouvernement, avec l'église. Vous comprenez? Toutes les églises aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent lever leurs doigts en haut, comme dit le prophète des nations. Vous voyez? Tout n'est pas une vraie église, rien. Ce n'est pas moi. Vous connaissez les prophètes des nations. Vous voyez? Donc, ce qu'il dit là, ce n'est pas des aventures. Il vous dit la vérité. Venez simplement sur les écritures ici, vous allez voir que non, il a raison. Pourquoi? Parce qu'il a vu, nous avons vu que le Seigneur dit que tous, ils ont suivi les modèles Nicolaïtes. Vous comprenez? Faire la compromis comme Balak et Balaam avec la parole de Dieu. Pour égarer les enfants de Dieu, afin de ne pas arriver à la perfection, de ne pas recevoir le caillou blanc. Vous comprenez? Afin que donc, ils ne puissent pas adorer la bête ni son image. L'image de la bête, ce sont des églises formalistes. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils enseignent correctement, les gens y arrivent. Et les gens qui arriveront, ils ne feront pas ce qu'eux ils puissent devenir des multimillionnaires comme ils se sont devenus. Tout ce qu'ils se sont devenus, ce qu'eux ils sont devenus aujourd'hui, c'est ce que le diable avait dit au Seigneur Jésus-Christ, notre ce jour-là, quand il était là en train de prier 40 jours, en train de prier pendant 40 jours et 40 jours. Si tu m'adores, je te donnerai. Regarde, lui ne t'adore pas. Si tu fais ça, je te donne ça. Et il le fait. Quoi? De voir la domination sur ces gens-là. C'est pourquoi vous voyez qu'un jeune homme peut sortir là-bas. Il dit simplement quelque chose et les gens le suivent. Même si cela n'est même pas, n'a rien à voir avec les Écritures, mais les gens sont là avec lesquels non? Le nom de Jésus. Là où le diable a son trône. Ouais. Et la marque de la bête sur la main, c'est quoi? C'est un acte. C'est une lettre. La connaissance, la lettre mal interprétée, c'est pourquoi les Écritures disent la lettre tue l'esprit vivifie. Quand on met ici, c'est un acte, un engagement que vous avez pris pour faire la compromis, alors que vous devez être censé. Vous devez censé être un temple du Dieu vivant. Mais à cause de ce qui attire les cieux, vous pensez que le royaume de Dieu vient de la manière naturelle. Que la riche bénédiction de Dieu soit avec vous. À cause du temps, nous voulons toujours laisser le temps que les gens puissent avoir vraiment de bons moments d'assimiler ce que nous disons parce que ce n'est pas charnel. Le Dieu dont nous servons, c'est un Dieu spirituel. Frère Bana me dit, si vous écoutez cette parole ici est surnaturelle parce que le Dieu dont nous nous servons, il est un Dieu surnaturel. Et quand cette parole devient des épîtres-lits en vous, vous devenez, comme nous venons de dire le dimanche passé ici, vous devenez des épîtres-lits. Beaucoup mis par chapitre. Donc, Paul, Bazalaki, épître, Bazalaki, écriture, Bazalaki, Jésus. Parce que Jésus, quand le disciple lui montre-nous le Père, il a dit, c'est lui qui m'a vu. Et pendant longtemps, Philippe, que je demeure avec vous, si vous n'avez pas, vous ne m'avez pas vu. Au commencement était la parole, toutes choses ont été créées par elle. Pour devenir une fille, un fils de Dieu, vous devez devenir la parole. Vous devez devenir un épître, qu'on puisse lire Jésus dans votre vie. Si pas, c'est la doctrine nicolaïte qu'on va lire dans ta vie. Qui est dans toutes les églises aujourd'hui. Remarquez, toutes les églises ont suivi les modèles nicolaïtes qui ont commencé ici avec l'emprise romaine, la domination romaine. Vous comprenez? Et cet empire qui règne, qui ont commencé là, pourquoi? Parce que c'est les modèles des gens des nations qui ont commencé avec le Rome païens et ils ont quitté le Rome païen parce que le Rome païen servait Christ et ils ont formé le Rome papal. Vous comprenez cela? Donc voilà. Restons sur ces choses parce que la vie est ici.
Et que la riche bénédiction de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse richement et répond à vos besoins, à vos demandes, à vos supplications, à vos humbles cris dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui seul qui est l'éternel, Dieu Jéhovah, Jéhovah Tchikenu, le Dieu qui pourvoit pour nous, le Dieu qui est le juste et juge, Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies, Jéhovah Shalom, le Dieu qui nous donne de sa paix. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de son Saint-Nom. Bon dimanche chez vous, restez dans la paix du Seigneur, nous vous aimons infiniment. Le dimanche prochain, nous allons terminer ici pour parler de l'Israël et de l'enlèvement. Je vous aime beaucoup. Shalom. Je vous aime.